Prochain arrêt, préfecture. Ouverture des portes, côté droit. Il y a beaucoup d'émotions à pouvoir entendre le travail qui a été mené, mais qui a été mené grâce aussi aux 250 donneurs de voix. C'est grâce à eux qu'on a pu construire toute cette prochaine œuvre aussi. Nous, ce qu'on a proposé, en fait, c'était d'irriguer les deux lignes de tramway avec les voix des habitants et de construire une cartographie orale et d'avoir également des créations sonores sur sept arrêts de tramway, donc les quatre terminus, gare, Théodore Monod et Jacobin, où on a des sons et des créations autour du son des territoires. Je me sers du tramway des bus et la voie, c'est indispensable pour moi. Oui, pour vous c'est très important, ça permet d'humaniser un petit peu le tramway. Voilà. Quand même, ça change de la voie synthétique, ça n'a rien à voir. Depuis hier, je suis comblé de ce côté-là d'entendre la diversité des voix. J'ai tenté l'expérience, c'est tout. J'ai trouvé que c'était très sympathique. Et vous avez fait quelle station alors ? Lafayette, parce que c'est un petit peu mon secteur, et Comte du Maine, parce que je viens assez souvent par ici, au théâtre, au cinéma, pour des animations. Ouverture des portes, côté gauche.